Bonjour à tous. Je suis donc Laetitia Rigaud. J'ai été avocat à Luxembourg pendant très très nombreuses années, plus de 20 ans, et avocate française depuis le même temps. Et donc je suis membre du collectif des 300 avocats français qui effectivement se sont mobilisés au moment de la pandémie pour essayer de défendre les droits et libertés en France. Je vais être la voix française de cette conférence à destination du monde francophone pour vous faire effectivement une synthèse des éléments qui nous occupent et de ce qui vient d'être expliqué. Donc, comme l'a rappelé Philippe Crouz en début d'intervention, les discussions se poursuivent à l'AMS. On n'a pas à ce jour les conclusions puisque les négociations ont continué cette nuit. Mais il semblerait, ça avait déjà été annoncé pour le traité pandémique, qu'il va être reporté et que le règlement sanitaire international, les amendements soient également reportés dans le courant de cette année, sans qu'on ait de précision pour l'instant. Et donc, effectivement, toutes nos analyses reposent sur des textes qui, pour l'instant, sont provisoires. Pourquoi nous protestons et pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui et pourquoi nous demandons le rejet de ces textes? Il y a différentes raisons. Comme l'a rappelé Philippe, l'article 55.2 du RSI prévoit que tous les amendements et un texte final doivent être présentés aux États 4 mois au moins avant l'adoption de ces textes. C'est l'article 55.2 qui le prévoit. Or, les discussions se poursuivent ces derniers jours. Les dernières versions nous ont été présentées au mois d'avril et de mai. Et donc, ce délai de 4 mois n'est absolument pas respecté. On ne peut pas nous expliquer que ça fait 2 ans qu'on travaille et que donc on est parfaitement au courant du contenu des textes pour nous expliquer qu'on ne respecte pas ce délai de 4 mois. Ça n'est pas acceptable. Ce qui nous interpelle aussi, ce sont les atteintes extrêmement importantes à la souveraineté des États et aux libertés individuelles que nous jugeons inacceptables. La Suisse, la Grande-Bretagne et le Japon se sont déjà exprimés contre ces projets en indiquant qu'effectivement, ils n'accepteraient pas des atteintes aussi importantes à leur souveraineté. Quelles sont ces atteintes? On en a beaucoup parlé, tous les intervenants en ont ici parlé. La mise en place d'une surveillance permanente et généralisée sur les États, les citoyens, sur l'eau, sur les maladies, sur le séquencement génomique, mais aussi sur les animaux, sur le climat et sur la paix, parce qu'on assiste à un changement total de cadre, c'est-à-dire qu'avec ces projets, jusqu'à maintenant, l'OMS était chargée de venir en support des États, aider les États dans la gestion des pandémies. Avec les textes qui nous sont proposés, c'est vraiment une mainmise de l'OMS, c'est une tentative de prise de pouvoir de l'OMS sur la santé mondiale. On n'est plus du tout dans un support et dans une aide, on est vraiment dans une prise en main de la santé mondiale. Ce changement de cadre ne nous convient pas tant qu'il n'est pas encadré. On vous a parlé de la collecte de données, on vous a parlé de la digitalisation des process, on vous a parlé passe sanitaire, et on vous a expliqué que tout ça était pour nous le terreau d'un crédit à la chinoise que nous refusons. La détermination des urgences de santé publique de portée internationale qui est laissé entre les mains du directeur général de l'OMS, puisqu'il peut prendre des avis, mais qu'il est seul finalement à prendre les décisions. La définition de cette urgence sanitaire de santé publique de portée internationale est beaucoup trop floue aujourd'hui pour donner quelques garanties que ce soit. Il n'y a aucun élément chiffré en termes de létalité, en termes de nombre de cas, en termes de nombre de pays atteints. Donc effectivement, on ne peut pas se satisfaire de définitions qui sont aussi floues et qui en fait sont la porte ouverte à n'importe quelle prise de décision. Surtout quand on combine ça avec la concentration des pouvoirs entre les mains du directeur général de l'OMS qui, comme je vous l'ai dit, doit prendre des avis, mais prendra seul les décisions. Monsieur Alfred Schwarz vous a très clairement rappelé les atteintes à la souveraineté qui sont encourues. La souveraineté, c'est le fait de pouvoir évaluer une situation. Là, le DG de l'OMS le fera pour les États, et c'est le pouvoir de prendre des mesures pour répondre à cette situation. Le DG de l'OMS le fera aussi à la place des États. Donc les atteintes à la souveraineté sont juste inacceptables. On passe d'un organisme d'aide à une autorité coordinatrice de la santé mondiale. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il n'y a pas de limite sur les recommandations que le directeur général de l'OMS va pouvoir prendre. Confinement, vaccins, même s'ils n'ont pas été testés, ça nous a été expliqué. Il n'y a absolument aucune limite qui sont portées aux atteintes à la liberté de prescrire, à la liberté de circuler,
à la liberté ou non de se faire vacciner. Donc ces éléments ne sont pas acceptables. Il n'y a évidemment aucun système de contrôle qui est mis en place pour contrôler l'OMS et le directeur général de l'OMS dans ces nouveaux projets. Je vous rappelle que l'Union européenne, ça a été également rappelé, a pris cette semaine des textes pour expliquer qu'elle allait aussi aller dans ce même sens de prise en main de la santé européenne. Donc c'est vraiment un mouvement global et qui nous inquiète extrêmement. Alors, quels sont les préalables obligatoires pour que, effectivement, on puisse commencer à parler de ces projets que, pour l'instant, nous rejetons en bloc? C'est effectivement une analyse et une évaluation de la gestion qui a été faite par l'OMS de la pandémie Covid-19. Comme on vous l'a rappelé, on nous a imposé très largement, puisque les attentes étaient tellement importantes qu'on peut considérer qu'il y avait une obligation de vaccination, sur des vaccins qui n'avaient pas été testés et qui ne répondaient pas à nos normes européennes en termes de respect notamment du consentement des personnes. Donc, aujourd'hui, il est acquis que ces vaccins n'empêchaient pas la transmission et c'est pourtant comme ça qu'on nous l'a vendu au début de la pandémie, sans sourciller. Donc, effectivement, cette analyse de la gestion de la pandémie par l'OMS, elle est pour nous un préalable indispensable à toute avancée. Le respect de la souveraineté des États sera une ligne rouge qui ne pourra pas être franchie. Et il nous faut des garanties sur l'indépendance financière et politique de l'OMS, puisqu'on sait qu'en termes de financement, on a déjà des sujets, il n'y a pas de système de contrôle de la corruption au sein de l'OMS, et tout ça est tout simplement inacceptable pour lui confier des sujets aussi importants que la gestion de la santé mondiale. Voilà, c'est donc à juste titre qu'à ce jour, nous nous interrogeons sur la façon dont l'OMS a géré la future pandémie et sur la façon dont elle entend prendre la main sur la santé mondiale, et d'où notre présence ici face à vous. Je vous remercie.